Et salut à tous, c'est Cinétique. On est donc parti pour une petite séance de coach en compagnie du bro LRB. Et voilà, c'est tout. Voilà, Et pas mal, voilà, c'est bon. il On a est fait là. l'intro, voilà, j'ai fait une petite sneaky. Donc aujourd'hui, la personne que nous allons coacher, la troisième personne que nous allons coacher, est donc Cinétique, donc un rédacteur chez Eclipsia. Voilà, il s'est proposé, voilà, je lui ai demandé, il a dit Champignon. vas-y, je suis chaud. Donc il va se connecter sur son compte League of Legends directement. Donc où est-ce Alors, qu'il est où League est-ce of qu'il est Legends? rangé? Il est caché League of Legends, attends. Où est-il, Il y a attends, trop toi? d'icônes ici, mec. Il y a beaucoup trop d'icônes sur ce PC. Ouais, League of voilà, Legends, l'ancienne. il est là. On va mettre le lobby. On va se connecter. Voilà, jouer. Donc connecte-toi donc à ton compte League of Legends, mon ami. Et donc on va voir ce que ça va donner. Apparemment, ce joueur est plutôt de type toxique. Donc ça devrait le Ça faire. commence. Donc ah oui, c'est bon. C'est bon. Les gars, merci à Maury. Donc qui a cancel les pubs. C'est bon. Sorry pour les pubs. C'est d'accord, tu vas à la PHW? Oui, je vais à la PHW. Donc il va se connecter sur son Allez, compte bim, et. 50 parties. Ah, pas mal. Alors ça Donc. c'est genre la messagerie, tu vois. Mais sinon j'en ai 38 pour les Ah! parties classées. Ça j'ai les deux. Ah! Ça c'est pas mal, ça c'est un message que je n'avais jamais vu auparavant. Attends, laisse-le. Suspension de 38 parties classées. En raison d'un comportement répréhensible en ce compte, l'accès au mode classé solo a été restreint. Lorsque vous aurez gagné le nombre de parties normales recrées en draft, cette restriction sera levée. Je suis obligé de Donc ça, tu partir vois, draft. c'était, on est passé du joueur calme, Zankyo, tu vois, pas trop, qui insulte pas trop, qui est là, qui joue bien, qui est solide, à Modozor, qui, elle, insulte et du coup à chat restricted, mais n'est pas ban de suspension d'enquête. Et on est passé maintenant au Le toxique de pire, la boîte, le pire mec. le pire Le du gros pire. trash. Donc suspension, pardon, suspension de 38 parties classées. Ah oui, ça Et c'est le pire c'est que pas fromage, mal. c'est-à-dire que pour les zones où t'es chat restricted, tu peux simplement faire genre du Dominion, ça passe. Donc comme ça, enfin tu les farmes, genre tu peux faire un Dominion hier, je le fais en 8 minutes une Ah partie, ouais? tu vois, Et genre ça tu les marche? farmes et ça marche. Mais par contre pour celle-là, t'es obligé de faire du draft, mec. Donc là je suis bien piné, genre hier j'ai fait genre 15 Dominion, tu vois, genre je l'ai fermé, je jouais Singed en mode bon allez Ah easy. oui? Et là bah non, pas Ah du bah tout, là ça marche pas en tu vas fait. faire une draft, Je donc voulais tu vas faire faire du une draft, tu vas draft, nous voilà. montrer un petit peu ton profil quand même. Donc voilà, EC Voilà, Cinétique, il est EC classé, Cinétique. t'es classé quoi? Alors je suis Gold Donc de Gold 5, 5, voilà, je suis voilà, arrivé, du sérieux, il a une team voilà. qui s'appelle C'est Sérieux, donc voilà, totalement C'est solide, hein. sérieux, on est Donc 3v3, et Bordeaux donc, Noob Squad, voilà. Et pas comme je te mal, dis, tu quelques vois, trucs. hier j'ai un peu farmé, genre. Ah oui, t'as farmé des dominions quand même. Mais faut que tu Voilà, farmes bah les j'ai win, drafts. mec. T'as win, mais farme plutôt les drafts, du coup tu Bah pourras oui, faire des non mais ranked genre, bientôt. je savais pas hier, tu vois. Ah oui, du Genre coup c'est t'as juste, farmé, tu t'es dit ah bah c'est voilà. bon là il me reste Je plus me suis dit, que il y a 8 30 minutes, drafts c'est à bon. faire, 30, 30 petits Voilà. dominions, Et en fait, c'est bien, fromage. on est bien, en fait pas du tout. Ah oui d'accord, donc vas-y, lance une petite draft, ça va faire un petit peu à l'image d'une ranked, hein, non? Le niveau Voilà. devrait être après équivalent. Donc normal draft, Allez, j'utilise le Wario, matchmaking. toujours Oh, là. tu peux inviter Wario à la limite, j'aime beaucoup Wario, allez-y, Allez, on prend invite-le. Wario. On va inviter des gens, on va inviter des gens sur le chat, on va inviter des gens, ne vous en faites pas, on va inviter Wario. Wario qui voilà depuis tout à l'heure demandait un coaching, je vais le coacher en même temps en live vu que voilà. C'est quoi ces... 03. Wario 03. Voilà, invitons-le. Ah, il est indisponible, ok, donc il Allez, ajoute, mais il mec. est pas à dispo. Ok, Wario, parce que là, tu vois, Un mec pas il y avait sympa, une quoi. petite. On a phare à Brice. Il y avait un petit peu de choses sur le chat. Il y avait des petits trucs sur le chat en mode c'est quand le coaching Wario, etc. Bah là, j'allais le coacher en live. J'allais coacher en live. Il fait la baltringue un peu. Est-ce que je Il fait propose à la phare à baltringue. Brice? Tu peux, invite des gens, invite tes potes, invite ce que tu veux. Bah, mec, On c'est va phare à partir sur une Brice. petite game. On va inviter des gens. Donc Vas-y, voilà, vas-y. invite phare à Brice. Donc phare à Brice qui est là. Le Nous bro. avons. Ok, je vais faire une petite Allez, salle, ça les amis. pleut. Donc je vais faire une petite salle. Je vais faire. Mettez vos pseudos, voilà. Mettez, genre, je vais mettre LOL. LOL trash. Voilà, LOL trash. Voilà. Le nom de la salle, c'est LOL trash, comme vous pouvez voir là. Et on va inviter encore deux personnes aléatoirement. Wario est déjà en game, cet enfoiré. Il ajoute alors qu'il est déjà en game. Donc on va inviter du coup Allez. trois personnes qui auront rejoint cette room LOL trash. Donc voilà, on va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu. Voilà, LOL trash. Le nom de la room, c'est LOL trash. N'hésitez pas à rejoindre LOL espace trash. Donc normalement, vous devrez pouvoir rejoindre. Et on va inviter les trois premiers qui vont rejoindre cette salle, tout simplement. Il y a. Tiwali, Voilà, t'es il y a là. Piwa. Il y a Piwa qui m'avait l'air chaud. Attends, quand même, on va inviter. Wow. Attends, c'est qui a rejoint en premier? Bow to Bow face. to Bow to face. face a rejoint en premier. Copy. Voilà. Donc si jamais j'allais inviter Piwali, mais vu que j'ai dit une chose avant, je peux pas trop revenir sur ma parole. Je suis quand même un homme de parole. Kazira. Kazira. Et ensuite, il en manque un. Il nous en manquera un. Donc c'est ceux qui ont rejoint le plus vite. Hein. Bien entendu, il n'y a pas de genre C'est de Lips. carotte là pour le coup. C'est juste ceux qui ont rejoint le plus vite la room. Comme ça, on part directement en game. On va partir pour une petite draft normale. Et on va essayer de coach en même temps le petit Cinétique qui Allez. du coup est un petit peu dans la misère vu qu'il ne peut pas ranker. Donc Je ça suis c'est déçu, je suis déçu. un petit peu compliqué. Donc voilà, let's go, on part en game et on est parti. Donc c'est qui le mec avec moi? C'est Cinétique ou Théo, un mec de la rédac. N'hésitez pas à aller lire les articles qu'ils font. Hein. Donc voilà, ils vous mettent au courant de tout hein, avec C'est les ça. articles. Donc en général, par exemple, quand il y a des jeux qui sortent, etc., il y a des trucs, il y a les infos, eclipsia.com, vous avez tout. Donc je sais que vous aimez plus regarder la télé, allez lire un petit peu, ça vous fera du bien. Donc voilà, c'était le petit Ça fera message, du bien. petite pub discrète pour la Sachant rédac, mais que tu passes le Zera billet, la passe le dernière billet. fois a dit que personne lisait les articles dans une vidéo.
Ah ouais, il nous a tellement dégoûté, mais il nous a mis au fond. Tu vois, il fait ouais, mais de toute façon, les gens lisent pas. De toute façon, vous êtes tous des demeurés. Tu vois, c'était pour le départ du Toll. Tu vois, en mode, mais de toute façon, personne ne lit la rédac, ça sert à rien. On est en mode. Ah, nice. Oui, Zera. Zera qui respecte énormément la rédac, apparemment. Non, pas du tout. Donc, let's go. On est parti en game. On va voir en tout cas comment ça va se passer. Il est pas suspendu d'article. Bientôt, bientôt. Bientôt, un hein, truc qui va, les, qui va faire. Non, là, t'es article restricted. Là, c'est terminé. Donc, je vais faire 3 par jour après. 3 par jour seulement. C'est déjà beaucoup, hein, 3 par jour, non? Ouais, non. C'est pas mal, hein. On en fait plus en général. Ah ouais, mais... Vous en faites combien par jour? En fait, ça dépend, en fait, une moyenne à tenir, mais on fait aussi les guides, tu vois, et les guides, ça prend du temps, oui, parce que tu dois aussi te renseigner. Est-ce que vous allez mettre les guides à jour sur LoL, etc.? Ouais, c'est prévu, c'est... en fait, on a... c'est avec les contributeurs qu'on fait ça, ouais. Et en fait, on est en train de voir avec les développeurs pour qu'ils nous passent les droits, parce que tu vois, c'est... Enfin, sur l'admin, c'est vachement plus compliqué, les guides LoL, et en gros, c'est soit on leur donne tous les droits, c'est-à-dire qu'ils ont exactement le même droit que nous. Ah ouais, donc non. Soit on demande aux devs de faire un peu de boulot, tu vois. Mais oui, donc les devs vont faire du boulot, t'inquiète voilà. Pas. Donc acceptons. Attendre, ouais. On est parti directement pour une petite game en normal draft. Donc nickel. Un ban les. Il y a quoi comme pick OP? En ce moment, il y a Kha'Zix. Il y a quoi d'autre? Il y a Lucian, on a des carrés qui est vraiment fort. Ouais. Il y a je quoi d'autre? Après, c'est vrai qu'au niveau des bans, j'ai toujours une petite hésitation. Je sais jamais réellement quoi ban. Kha'Zix, Lucian. Il y a du Ryze qu'on peut ban. Ryze est pas Ryze mal joué ces derniers temps. Quoi d'autre? Tu joues quel poste d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. J'aime bien la top lane, donc tu vois, moi Banrai ça me va très bien. Ah, tu veux aller top? Vas-y, bon, vas-y, vas-y, dis que tu vas top. Préviens ta team, dis bah apparemment, désolé. Genre, tu vas prendre le top. Tu joues quoi au top? Je suis un grand fan de Panthéon, je pourrais. Panthéon? Je suis un grand fan de Panthéon, c'est très drôle ça. Ah oui, ça c'est pas mal. J'aimerais beaucoup coacher un Panthéon ça. Ça, ça va être drôle. Ça, ça va être sympa. Tu vas balancer quelques. C'est ça. Alors, un last ban. Est-ce que tu vas faire un petit guide comment être chat restricted? Ouais, carrément, bah je vais vous montrer ça très vite. Bah je vais commencer. Il va le faire maintenant et du coup il va être banné à vie. Est-ce que c'est une action ou un truc comme ça? Non, sur c'est dégueu, c'est nul à chier. C'est strong, ok. Il y a Tristana, oui, ils ont ban Tristana. Tu peux ban Lucian. Lucian, c'est vraiment fort là. Ouais. Hein, si jamais on le laisse, si c'est pick, c'est horrible. Hein. Donc tu le joues comment? Est-ce que tu joues TP, tu joues Ignite, tu joues full Je joue Ignite, je commence avec un flacon cristallin et. C'est pas mal. Ah bah, Farabris en plus. Farabris, qu'est-ce que tu fais? Le gros trash. Farabris, qu'est-ce que. Est-ce qu'il écho? Pourquoi? What the fuck? Pourquoi? Voilà. Tu vois, c'est comme ça qu'on se fait ban, tu vois. Voilà. What the fuck, bro? Tu fais quoi, là? La putain de toi? Et voilà. Et là, t'es bon, t'es ban. J'ai ouais, bug. J'ai bug. Voilà, ok. C'est ça. C'est ça. Mon lol s'est fermé. Vas-y, invite-le, bon, bah, on est reparti en game, c'est pas grave. Bon, bah, du coup, on va continuer à discuter un petit peu de la rédac. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez sorti comme article qui a bien marché ces derniers temps, etc. Alors, sur récemment, Quev a fait un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un article qui est sorti. Sur les changements de la jungle. Oui, la nouvelle très, jungle. Très bien, cet article. Ça, le pire, c'est que je le vois au début. Je vois le truc super long et je fais quoi, il va trop kiffer. Parce que, genre, lui, tu vois, il aime bien se plonger dans des trucs super complexes. Tout oh, ça, nice. Tu vois. Ah non, on ne peut pas attendre Farabris. Bon, bah, Farah, nous devons kick Farabris. Farah, désolé. Hein, ah là, pour le est-ce coup. Que tu peux live, ah oui. Oh non, là, Farabris, là, t'as niqué le game. Ah non, là, bro. Oh, bro. Oh, bro. Farah. Oh non, bro. Bon, bah, désolé, Farabris. Nous partons sur un kick. Ouais. Ce n'est qu'un au revoir, ouais. Mon pote. Bon, bref, on prend et le dernier maintenant. Donc, c'était Banz. Et voilà, juste Banz après le hip-hop, c'était Banz qui va rejoindre du coup. Donc, let's go. On part là-dessus. Nice. On va voir en tout cas s'il va accepter. Est-ce qu'il est présent? Il n'a pas l'air d'être présent, j'ai l'impression. Fast, ajouter, inviter. Est-ce que. Ça s'ajoute pas. Ça n'ajoute pas. C'est très très étrange. C'est très très bizarre. Je vais essayer d'inviter une dernière personne quand même. On va voir peut-être que c'est lui qui était déjà en game, etc. Cette personne est peut-être indisponible, blablabla. On ne sait jamais. Ou juste, c'est juste un bug du jeu. Non, ah. C'est lui, qui a, était qui parti, était, ouais, lui qui était parti. Alors, donc, soit pas made. Est-ce que soit pas made est là? Donc, on essaie d'inviter un petit peu les gens qui étaient. Qui ont rejoint la salle le plus rapidement possible. Hein, donc, let's go. On va regarder un petit peu. Et donc, pour en venir un petit peu au truc des changements de la jungle. Ouais, donc en fait, genre, je vois cet article, je fais attends, quoi, ça va genre trop lui plaire, tu vois. Et en fait, à la fin, je vois l'article, je fais putain, mais t'es un psychopathe, cet article est genre génial. Et le mec avait tout donné, et l'article est genre trop bien. Et en quelques jours, il a atteint le top 10 des articles de tout Eclipsia. Sans compter genre les news Eclipsia, genre les soirées Eclipsia, les machins, les trucs. Ouais. Genre, non, il est déjà dans le top 10, quoi. Ah oui, non, mais en même temps, l'article voilà. Est très bon. Je m'en suis servi d'ailleurs pour faire ma vidéo. Vous avez toutes les informations directement là-dedans. J'invite tous ceux qui ont rejoint en premier, le plus rapidement possible. Donc, on regarde un petit peu, j'essaye d'inviter les gens. Donc on va voir s'ils acceptent, s'ils n'acceptent pas malheureusement, bah, ce sera quelqu'un d'autre qui sera choisi. Donc c'est un petit peu aléatoire hein, comme vous pouvez voir. On invite les premiers qui ont rejoint, ensuite c'est lui. Bon, par contre il faut accepter les gars au bout d'un moment. Il n'y a plus personne quoi, super. Ouais, si vous voulez jouer les gars, il faut accepter. Donc on regarde un petit peu, voilà, j'étais là. On prend les gens, comme vous pouvez le voir c'est vraiment ceux qui ont rejoint le plus rapidement possible, qui ont la chance d'être invités.
Bon, apparemment, par contre, ça se passe mal. Les mecs, je sais pas ce qu'ils foutent. Là où c'est l'ultra, je sais pas du tout ce qu'ils foutent en fait. Hein. Donc, ok, let's go. Pourquoi n'accepte-t-il pas? Est-ce que ça bug? Est-ce qu'il y a un bug? C'est fort probable aussi. Donc, Invite-moi FDP, ça j'aime bien ça. Ah, nice. Et là, du coup, il pense que je vais l'inviter. C'est donc, ça. Pas très malin. Pas très malin du tout hein, de sa part. Donc, attends, j'ai invité Bans. Cette fois-ci, j'ai invité Bans. Hein. J'ai vu qu'il était là. Le retour de Bans. Voilà. Bug, pas reçu l'invite. Là, non, il a reçu l'invite là. Donc, Bans, est-ce que tu as reçu l'invite? Voilà, Bans. Attendez, c'est bizarre quand même. Ah, ça bug. Allez. Ah, ça bug. Oh, c'est relou, putain. Oh, c'est très chiant. Oh non, mais non. Là, c'est relou de fou. Donc là, ça a bugué. Il faut retenir un petit peu les pseudos. On va retenir les pseudos et on va réinviter. Donc, on va réinviter. De toute façon, on a encore le... Oui, on a encore le truc. On va réinviter les 4 premiers. Hein, donc, comme tout à l'heure. Merde. Ça, c'est très chiant par contre, comme truc. Donc, ça va être un petit peu la galère, comme vous pouvez voir. Hein. C'est un petit peu compliqué comme truc. Voilà, hop, les. Outface, Kazira. Putain, tout ça à cause de Farabris, hein. Quel troll ce Farabris. Voilà. Et le dernier, c'était Bans. Voilà, c'est bon. Donc on a invité ceux qui ont été invités le plus vite, hein, enfin ceux qui ont rejoint le plus rapidement cette salle, non, ils devraient être là. Donc s'ils n'acceptent pas, par contre, j'invite encore une fois. Ah, c'est bon. Allez, il a accepté, donc on va partir en game. C'est bon, let's go. Désolé à ceux qui n'ont pas été choisis, comme vous avez pu le voir. C'était ceux qui ont, voilà, le plus rapidement rejoint. Donc c'était un petit peu la galère. Donc on est parti directement pour une petite game en mode draft. Donc un petit peu la misère quand même, hein. Le fait que tu ne puisses pas ranked. Les 38 fond, games fond, mec. Tu vas devoir faire beaucoup de draft. Tu sais quand tu la fin de la saison juin, hein. 11 novembre je crois. 11 novembre, donc j'ai un mois quoi. J'ai un mois pour faire 36. Ok. Ça doit le faire. Ça doit le faire si tu joues beaucoup. Bah genre ce week-end tu vois, t'as genre le gros week-end d'Eclipsia 24h et tout. Ah oui. Je pense que je vais rester dans les locaux et quand je vais pas jouer un jeu, bah non, je vais jouer à LoL dans un coin. Tu vas stream pendant ces 24h? Ouais, je vais sûrement faire quelque chose avec Quev et Eva. Oui, le matin là, voilà. Tu vas jouer à Payday 2, ouais. Voilà, et après on va voir s'il y a d'autres streams qui ont besoin de joueurs ou quoi, genre sur le truc de Zera ou des trucs comme ça, on verra. Ok, ça marche, oui, ça peut être intéressant. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, samedi il y aura un stream pour une œuvre caritative qui est organisée par Athènes, on va participer aussi. Donc ne vous en faites pas, l'argent ne nous revient pas, ça va aux organisations. Si jamais vous faites des dons, bien entendu, il faut les faire sur le lien de l'organisation, ce n'est pas sur Eclipsia, hein, ne vous en faites pas, parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en mode oh, tout ça c'est pour voler l'argent. C'est pour voler l'argent. Non, pas du tout, calmez-vous, c'est juste. On fait ça. Bénévolement en fait, simplement parce que le week-end, le samedi, il y a beaucoup de gens qui sont en week-end en fait et qui vont venir tout de même, comme par exemple Zerator, Sky Chelsea, qui viennent juste pour profiter justement de ce stream à œuvre caritative. Donc c'est pas mal en tout cas. Donc on va voir en tout cas comment ça se passe. On est reparti, on sait pas trop. Voilà, Balle le même champion. Donc après, par contre, on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir comme live, donc c'est pas encore fixé, c'est pas encore décidé, mais il y aura du live sympa. Vous aurez peut-être, je dis bien, l'occasion de me voir sur The Evil Within. Donc peut-être moyen que je me chie dessus et que je meurs en live dû à une crise cardiaque. Il y a des chances que je meure en live. Mais bon, c'est pas trop grave. On va tenter de faire des choses sur ce jeu. Donc bon. D'ailleurs, je pense que j'ai demandé à quelqu'un de venir avec moi pour The Evil Within parce que je vais pas y jouer tout seul. Ouais, je vais le faire samedi soir, je pense. Je vais voir qui est chaud. Je sais qu'il y avait. Il y avait Lohan qui était chaud, et Lohan qui a très très peur aussi aux jeux d'horreur, donc ça va être sympa. On va voir du coup s'il y en a d'autres qui sont vraiment chauds ou pas, donc c'est pas mal. C'est qu'on l'a vu sur Pity, il faisait pas le malin. Ah, Pity faisait pas le malin, vraiment. Pity, en même temps, Pity faisait tellement peur. Bah, moi j'ai vu que la fin, je me suis déjà pissé dessus. Un stream de 24h avec ou sans les pubs, il y aura quand même bien entendu des pubs, ça nous permet d'avoir des petites pauses pour essayer par exemple d'aller boire, d'essayer d'aller manger, des trucs comme ça. Respirer, parce qu'il donc, chaud, voilà, il faut respirer aussi, parce que là déjà il fait chaud et on n'a pas joué. Donc imaginez vous si bah on joue, genre dans une salle avec plusieurs PC allumés. Donc là, il y a actuellement combien de PC? 1, 2, 3. Donc 3 PC allumés, 2 télé ici, 1, 2, 3 caméras. Non, 4 télé, toi. 3 télé qui sont allumées, des lampes, beaucoup de lumière qui sont fixées. Donc il fait très très chaud dans une salle, il faut le savoir. Mais bon, c'est assez compliqué. Je sais pas pourquoi mon émoticône s'est mangé du riz. On m'a fixé ça. Alors que à la base, moi je voulais un truc. Bon, il voulait pas me le mettre, bien entendu. C'était un truc genre viens en baise, tu vois. Donc forcément, on m'a dit non. On m'a dit non pour l'émoticône. Mais à vous, moi, ça aurait été dit oui. Oui. Moi je t'aurais dit oui. Je sais, mais là pour le coup, c'est compliqué. À quelle heure ton jeu d'horreur à l'herbe samedi? Ce sera le soir, je ne sais pas exactement à quelle heure malheureusement. Skik 93, on verra. Donc on verra. Manger du riz, je ne sais pas. Moi, genre, on m'a mis mon émoticône comme ça. Il y avait pas mal de trucs que j'aurais pu mettre, mais bon, voilà, pour le coup, c'est tombé sur manger du riz. Donc bon, on va peut-être changer ça plus tard. T'es parti sur ton Panthéon top. Panthéon top, c'est pas mal. Donc je suis un petit peu déçu, je pense que mon émoticône aurait été bien. Si c'était bien en baisse, je pense que ça aurait été bien.
Je pense que je l'aurais spammé. Je pense que j'aurais spammé moi-même. Même moi, j'aurais spammé ma propre émoticône, tu vois. Donc ça aurait été plutôt cool. Donc déjà que je spamme ma petite émoticône de point LRB, de point, tu vois, tout le temps. Genre quand je dis un truc, je mets deux points LRB. Voilà. Et ça se passe, tu vois, ça se passe. Donc n'hésitez pas à passer sur le chat, hein. Venez parler un petit peu. On va discuter. Je vais répondre à quelques questions. Donc viens LRB. C'est pas mal ça. Viens, pas mal. Il y a du talent. Donc je regarde un petit peu pendant ce temps-là, voilà, sur le chat, sur les pics. T'as un Fizzmeet, pardon. C'est Johnny Jungle en face. Ouais, bon, pas dingue du tout. C'est pas un des top pics, mais ça peut faire chier vraiment pour engage, etc. C'est vraiment relou. J'espère qu'on aura de la paix sur la jungle. On va voir. Je vois qu'il y en a qui mettent le 2 points LRB, mais qui n'ont pas l'émoticône. Donc vous êtes un petit peu déçus. Regardez, moi je vais vous le mettre. Voilà, vu qu'il y en a qui l'ont. Vas-y, mets un petit 2 points LRB, 2 points. Voilà, et là ça met cette petite émoticône et boum, voilà l'émoticône. Très propre, hein, vraiment l'une des meilleures émoticônes. pas du tout. Ouais, mais oui, manger du riz c'est pas dingue, hein. Bon, c'est pas trop grave les amis, on essaiera de changer un petit peu le texte. Alors il y en a plein qui ont pas encore acheté l'émoticône LRB, hein. Je vois là sur le chat là, les deux points LRB qui n'ont pas l'émoticône. Achetez cette putain d'émoticône, vous là, vous êtes sérieux à pas l'avoir là? Achetez cette émoticône, c'est la plus stylée de toutes les émoticônes, vous êtes sérieux? Je suis l'émoticône le mieux fait, les autres ils ressemblent à des singes. J'avoue qu'il y en a qui sont pas mal faits quand même. DFG il est très bien fait par exemple. C'est celui-là, DFG est très bien fait. Ouais, DFG est très bien fait. Ouais. Celui des filles sont très bien faits aussi. Modozer, Chelsea, Aeterna est très bien fait. Arteon est pas dégueu avec sa casquette, on le reconnaît bien, c'est pas mal. Amore aussi. Bah déjà, genre Arteon, Jiraya aussi. Jiraya est très bien. Les accessoires, quoi. Ouais, voilà ça en fait, c'est avec les accessoires. Moi c'est mes lunettes, mes cheveux, ma peau, couleur de peau aussi, je suis le seul donc bon forcément. Et sinon, Max est pas mal fait. Sinon par contre celui de Sky est pas dingue, celui de Domingo est horrible. Ouais. Celui de Domingo est vraiment horrible, celui de Xari est pas mal. Celui de Xari est pas mal, donc voilà, regardez un Zerator petit peu vos petites émoticônes. Zerator c'est le pire. Bon, je trouve qu'on a massapé dans notre team, je pense qu'on est bien parti. Ah je pense que vous êtes bien. On est Nami. Hein, Nami va faire la diff les gars. Nami va faire la diff. Donc voilà, les émoticônes, vous pouvez les acheter directement sur le shop d'Eclipsia, donc faites plaisir. Alors Ryakur qui a balancé un petit tips, donc Ryakur qui était venu à la dernière soirée Challenger et qui avait été qui nous avait aidé à monter nos meubles avec Domingo. Genre voilà, il était venu, on a perquis un petit peu quelques viewers, on a fait des viewers. Allez, venez nous aider les gars, c'est chaud là, on vient de déménager. Du coup, ils sont quand même passés chez nous. Voilà, c'était cool, tu vois, genre dans la bonne ambiance, c'était sympa. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, les soirées Challenger, c'est une fois par mois, c'est tous les derniers vendredis. C'est ça. Donc si vous voulez participer à une soirée Challenger, bon, je pense que celle d'octobre sera un petit peu compliquée, sachant que c'est pendant la Paris Games Week et du coup il n'y aura pas grand monde, donc je pense qu'il n'y en aura pas, mais il y en aura certainement une le mois prochain. Donc si vous voulez venir nous voir, etc., n'hésitez pas à passer au soirée Challenger, ce sera plutôt cool. Donc voilà, gardez vos tips pour les ventes de samedi. Je vais à la PGW, on est 14 à la PGW. Non, pas du tout. Ça fait beaucoup. Il y a toi qui va. Ouais. Il y a qui de la Reda qui va. Il y a toi, Dash. Dash et moi. Dash et toi. Du côté des streamers, nous avons Zerator, Xari, Max, Aeterna, Chelsea, Skyheart, Jiraya, Domingo, moi-même, DFG. Et ça fait déjà beaucoup. Genre je sais pas exactement combien ça fait pas mal. Mais ça fait déjà pas mal. Je pense qu'on arrive presque au compte, hein, finalement. On a aussi certainement Rueur qui va passer. Voilà, donc pas mal de personnes qui y vont. Donc si vous voulez venir à la Paris Games Week, n'hésitez pas. Vous allez rencontrer du bon monde. Si vous voulez nous voir, bah on sera open, il n'y a pas de problème, hein. Nous on est là, on partage, on donne, tu vois. Mais on partage avant tout. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Il y aura en plus de ça le tournoi de la Paris Games Week, donc l'Asus Rogue, il y aura pas mal de trucs. Donc faites-vous plaisir, je vois qu'il y en a qui disent déjà on sera là à Paris Games Week. Allez, ça fait plaisir. C'est samedi ou dimanche, la finale ce sera normalement dimanche. Donc il n'y aura que la finale dimanche normalement. Donc on va voir, je vois qu'il y a Matt qui est présent aussi, qui était venu à une des soirées Challenger. Donc je me souviens un petit peu des gens, tu vois, c'est plutôt cool. Il restera qui? Du coup pour stream il restera Eva, donc Ino, Zankloan. Et voilà. Quoi va la rédac, il restera des gens, on aura un stand, non, on n'aura pas de stand, on sera dans des stands différents, on sera dans des stands, par exemple, pour certains, des stands de jeux, de tournois, etc. Et pour la plupart donc, d'entre nous, ce sera des stands de tournois, par exemple, l'Asus Rock pour Skyheart, DFG, Domingo et moi-même, vu que nous commentons un petit peu le tournoi, donc forcément, c'est plus ou moins normal. Vous voulez pas passer dans les événements de Montpellier ou Marseille? Bah, on aimerait bien, mais si on n'est pas invité, on ne peut pas, tout simplement. Parce que sinon, ça nous coûte très cher de venir faire un événement. Si on peut pas le rentabiliser, bah, moi, sachant que moi, il faut savoir que je suis en galère de thunes tous les mois. Hein, genre, parce que moi, j'achète beaucoup de choses. Hein, j'achète beaucoup de choses et je suis à découvrir. Donc, voilà, c'est un petit peu la misère. Tu pars toi sur Flask du coup. Ouais. J'imagine que t'as pris beaucoup de pénétration AD, vu ton AD, tu l'as, la pénétration. Donc, fessé, appuie C, voir. Donc, moi, j'ai ça.
Pénétration d'armure 12, ok, pas dégueu. Donc avec un portant, c'est très bien. Tu peux réussir à stumble très rapidement dans la partie. On peut faire un petit LOL Nexus si tu veux pour regarder un petit peu si leur niveau. Donc où est-ce qu'on va voir ça? Attendez, voilà, un petit LOL Nexus. On va regarder un petit peu. Donc EC cinétique. On va check un petit peu tout ça. Ok. Oh. Un PC qui lag un peu hein, apparemment. Donc on va regarder, on va voir si le matchup n'est pas trop déséquilibré bien entendu, alors que sinon ça va être chiant. Donc ça va, c'est à peu près pareil, c'est du gold contre du gold, ouais, silver. Ça se tient. Honnêtement ça se tient non, sans trop de difficultés. La Kali est super 5. Bon. Tu vas la def mec. Tu mets des petites lances. C'est ça. Et tu la défends. Kali qui a quand même pris un bon petit nerf. Ouais. Attends, hop. Hop, ok, nickel. Donc voilà, si vous avez envie, s'il y a un événement qui nous invite, on serait ravis de venir pour la plupart d'entre nous. Il n'y aura absolument pas de problème. Donc venez à la TGS. Je ne sais pas ce qu'est la TGS, si c'est la Toulouse Game Show. Peut-être qu'on y sera, mais bon, c'est pas, il n'y a rien de dit du tout. Genre, j'aimerais bien y passer parce que j'ai des potes qui vivent, c'est tout quoi, au final. Donc on va voir. Arrête d'acheter des capotes et de l'alcool. Ouais, mais tu sais, pour la vie, c'est chaud quoi. Il y en a besoin. C'est difficile sans, tu vois. Si je rentre pas et que j'ai ma petite bouteille de Jack, voilà, petite bouteille cul sec, c'est compliqué. Genre. Non, bien entendu, absolument pas. Absolument si tu veux, pas. Je fais un deal de saucisson, mec, et ça c'est vrai. T'as du saucisson hein. J'ai ramené du saucisson, je vais à Lille, j'y vais quasiment toutes les deux semaines maintenant. Sérieux? Et je pense que je vais commencer un commerce de saucisson. Ah, mec, t'en as acheté toi? J'en ai. Mais les gars, les gars, je sais où je suis ce soir. Je vais aller voler du saucisson chez quelqu'un. En plus, je sais très bien comment c'est chez lui, vu que c'est là où j'habitais avant. C'est donc vrai. Forcément. Je peux arriver, je connais toutes les petites trappes. Faire une soirée saucisson gold streak. Oh là là, j'avoue qu'il reste encore la gold, putain. Ah bah elle est là. Oh nice. Donc toi tu vas maxer le Q-spell, tu vas donner tes spells et ensuite tu vas la défoncer. Ok, ça me va. Donc je t'invite pour l'événement. Tu commences avec le Q-spell ou avec le E en premier spell? Tu peux commencer au Q-spell, hein, c'est mieux. Le Q-spell c'est vraiment bien. Genre vraiment histoire d'aggro comme un peu. Voilà, c'est ça en fait. Tu fais full aggro. Donc peut-être que lui touche 3000 par mois, mais moi je ne touche pas 3000 par mois, les gars. Il faut savoir, hein, genre, hein, moi, même si, de toute façon, même si j'avais 3000 par mois, je serais à découvert tout le mois. Hein, donc faut savoir, hein. Il faut savoir des choses. Quel que soit mon salaire, je suis toujours à découvert. Ça. Plus j'ai d'argent, plus je dépense. Donc en fait, je suis une grosse merde, tout simplement. Donc on regarde un petit peu. Je t'invite à l'événement pour boire un coup à la maison. Tu passes. Allez, ah bah, bim. Pour le coup, ça te coûtera un petit peu cher l'événement. Genre, je veux dire, billet de train. C'est cher la soirée, quoi. Déjà, rien que les billets de train pour revenir en France, c'est méga cher, mec. Hein. Ouais, mais moi je le fais avec le collègue Boris qui me fait payer 30 livres l'aller-retour. En voiture. Ah oui, ça va. Donc en fait, je peux vraiment me le permettre tout le temps, tu vois. Ah oui, ça va. Mais une petite auto, t'aurais pu lui mettre une petite auto. Là, t'es level 2, essaie de l'aggro. Ouais. Prends les creeps et prends l'aggro. Bon, attends. Voilà, c'est pas mal. Tu peux utiliser une petite potion de mana limite, essayer de mettre un maximum de rythme. Voilà, un petit Q-spell. Auto-attaque Q-spell toujours. La recul, c'est bon. Tu as mis la petite auto-attaque. Donc là, c'est pas trop mal. Fais attention quand même là. Au gank. Vas-y. Faut tout le mettre à trinket ensuite. Hein. Dès que t'as push ceci, vas-y. Descends, mettre la trinket instantanément. La top lane, c'est très très important de mettre un petit peu la vision. Essayer d'avoir un petit peu le plus d'impact possible. Voilà, tu vas la poke. Voilà, là c'est horrible. Hein. Là, tu as mis juste trop de pression en fait. Voilà, mets pas ton E. Essaye de maxer encore une fois le petit Q-spell le level 3. Hein. Voilà, c'est pas mal ça. Vas-y, stun le. Nice, auto-attaque. Et boum! Le premier sang, gros assist hein, du côté du Lee Sin. Était présent sur le kill. Je suis désolé, Lee Sin. T'as fait un petit flash en mode j'ai la dalle quoi. Bah, je me suis dit en fait, c'était vraiment énervé. Je vais me retrouver vénère. Ah oui! Ah oui, c'était vraiment, vraiment très, très énervé. Et c'est quand la finale de Last Rock, c'est dimanche normalement à la Paris Games Week. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, passez sur le chat, posez un maximum de questions, on y répond, on regarde un petit peu, on essaie de coacher un petit peu Cinétique hein, qui est actuellement en game draft, c'est un Gold 5, donc c'est pas horrible, hein, il joue bien honnêtement, voilà, c'est solide, Gold 5 c'est pas nul, c'est pas le fond. C'est pas, en fait je suis arrivé à jouer, j'étais Gold 3, et tu vois genre ma première coloc, le truc à Arjun Road, en fait oui, je jouais avec 600 de ping. Ah mais t'as habité là où j'habitais aussi encore avant. Bah en fait je te suis. Ah oui, j'avoue que après je sais pas où t'habites mais j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien habiter. On parle là-dessus. Donc ça se passe pas mal. Donc oui, c'est vrai qu'Ardinjan, tu pouvais pas jouer. Moi je ne pouvais pas jouer, j'étais au bureau. En gros, je suis arrivé Gold 3 et je suis reparti Gold 5 de là-bas. Tu vois, ah nice, pas mal. Gros traumatisme. Level 4, c'est bien. Pour trade level 4, voilà, bloqué, il est très bête. Donc il faut pas oublier que ça bloque forcément, elle se met mal, elle. Ah oui, elle, si jamais elle met la marque et qu'elle met une auto-attaque, mais que t'as ton passif, elle ne peut pas te mettre les dégâts magiques supplémentaires. Donc voilà, c'est pas grave. Même si elle te les met, c'est pas très grave. Voilà, un maximum de rythme, une petite spear. Donc là, elle est pas très bien, on va dire. T'as plus trop de mana quand même, essaye d'utiliser. T'as plus de flacon. Je viens d'en balancer un. Essaye de mettre une petite auto lorsqu'elle sort de son truc. Elle a combien de potions là? Elle a encore 4 potions quand même, oui, c'est beaucoup. Essaye de pusher la lane, je pense pas. En fait, j'aimerais bien passer niveau 6 avant de partir, comme ça je peux revenir très vite sur la lane. Tu veux utiliser ton ulti pour revenir sur la lane ensuite? C'est pas mal, c'est pas mal. Donc moi j'aime bien l'utiliser pour décal. Ensuite, tu peux revenir sur la lane. Si tu peux prendre la lane en même temps, sur mon premier back, j'aime bien revenir cash, la tuer et après décal à pied, tu vois, genre tranquillement. Ah dommage, t'as pas eu le creep, mais t'as réussi à lui mettre la petite spire, c'est pas mal. Donc,
simple, les petites autos. Voilà, c'est horrible. Hein. Panthéon, jouer contre Panthéon top, c'est vraiment horrible. C'est quoi ton plat préféré? Il y en a qui répondent quand même à plat, c'est pas mal. Hein. C'est quoi ton plat préféré à l'herbe? Bœuf bourguignon, exactement. Diane est là à la quiz, réponse. Hein. Le quiz et l'herbe. Ah oui, c'est ça. Hein. Il y en a qui me connaissent. Hein. C'est cool. C'est cool. Je vois qu'il y en a qui me connaissent pas mal. Vive le coach et l'herbe. Je viens chez EC pour que tu m'entraînes à l'herbe. Bah, ce serait cool, mais bon. Peut-être que je ferais ça. Peut-être un petit événement à la prochaine soirée Challenger. Je vais faire un petit coaching du viewer qui viendra à la prochaine soirée Challenger. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être un bon petit concept, donc si vous avez envie, bah, n'hésitez pas, voilà, prenez vos petites places pour aller à la soirée Challenger. Mais bon, ce ne sera pas celle d'octobre, je pense, ce sera certainement celle de novembre plutôt. Donc qui a win les LCS, LRB, personne n'a win les Worlds encore, ça se finit dimanche. Donc il y aura les Worlds dimanche à 7h45. LRB ne veut pas encore dans le futur, voilà. Il ne le connaît pas. Mais je pense que les White vont gagner. Il y a moyen. Il y a de fortes chances que les White remportent ces finales, mais les Royal Club peuvent faire la différence. Bon, ça sur la top lane, t'as encore ta trinket, ok. Il a c'est joli, recule, c'est joli. Tu l'as vu, instant, voilà. On regarde directement sur la minimap. Il a vu qu'il ne pouvait rien faire. En fait, j'aimerais bien avoir mon six juste okay, avant. Il est encore là, l'arrêt trinket. Non, là, tu vas pas l'avoir là. C'est chaud, recule. Tu vas prendre un creep là, tu vas pouvoir prendre un creep, même petite spire. Hein. Voilà, la petite spire. Je pense finalement que je prenne mon 6 tranquille. Ah ouais, tu prends ton 6 là, t'es level 6. Prends ce spire là et back. Voilà, c'est bon. Là, t'es pas mal, tu prends un brutal. Brutal first item. Très très bon, brutal first item sur Panthéon, rien à dire. Hein. Ça fait vraiment beaucoup, en général, je prends beaucoup mon, de dégâts. Mon Last Whisper et mon coup prénoir, mon Black Cleaver. Et après, je pars sur la résistance en fait. Ouais, c'est ça. De toute façon, t'as pas besoin de plus avec. Comme ça, tu visites en lane et puis. C'est ça. Donc, il y en a qui me demandent aussi comment s'inscrire à la soirée Challenger. On va mettre des news. De toute façon, voilà, dès qu'il y en a une, il y a les news. Elles sont partagées. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On vous partagera un petit peu les liens des prochaines soirées Challenger. C'est parfait. Voilà, c'est pas mal, hein, mec. Là, t'es vraiment bien. On regarde un petit peu sur le chat, tac tac tac. Il faut être challenger. Oui, il faut quand même être challenger dans. Il faut être abonné challenger contre, malheureusement. C'est pas ouf pour elle, donc il faut payer un petit peu. Est-ce que je lui tombe dessus violemment? Ah oui, toi t'es parti sur. Ah sur la violence, mec. Mec, c'est chaud. Elle va avoir son Z. Alors. Tu as fait tellement mal. Non mais regarde. Attends qu'elle sort. C'est pas mal ça. Vas-y. Oh dommage. Non, tu peux pas. Dommage. C'était pas mal. T'as bien attendu, t'as bien tempo. Mais là par contre, elle prend une spire. Elle prend ignite. Elle est morte. Hein. Ouais. Mais là j'ai le tour moi. Ah oui. Là elle fait la dingue. Ouf. Oh putain, fais pas trop ça. Allez, oh, vas-y, c'est bon, elle est morte. L'ignite est morte. Je sais pas si elle va. Si elle dernier. Allez, nice. Elle meurt, dernier tic, voilà, c'était quasiment sûr. Hein, donc je m'en doutais un petit peu. Il y avait la potion qui a été lancée, donc ça faussait un petit peu le truc, mais elle est morte tout de même. Donc GG, le petit 2-0 solide hein, pour l'instant. Hein, voilà, au niveau des kills, etc. Rien à dire. Très très bon. Quand on ça va, tu vois, c'est le late game qui est plus chiant à chaque fois. Late game, bah tu rentres dans le tas et tu défends tout le monde. Ouais, quand t'es bien. Par contre, c'est ça le problème, c'est. Vas-y, tu stun le, mets une auto. Oui, t'aurais dû attendre un petit peu. Tu sais, continue à mettre des autos quand tu dash in. Ouais. Parce que le E au début fait pas très mal. Faut attendre d'avoir vraiment un petit peu plus de peiné pour d'accord. Stack en plus vite. Okay, parce que essayer de plus de mettre des autos, c'est limite plus worse, tu vois, de mettre des autos. Okay. Essaye de mettre le E lorsqu'il est vraiment hors de ta range, tu vois. D'accord. C'est ça que tu dois vraiment faire la diff là, mais pour l'instant, bon, ça, tu t'en j'ai sors bien. J'ai mon flash dans 8 secondes, est-ce que tu penses que je peux tenter un truc? Tu peux tenter à la limite. Si tu veux vraiment rigoler, par contre, il y a quelqu'un qui va arriver. Il y a quelqu'un qui va arriver. Et ça va être le problème. Vas-y, si tu veux, amuse-toi. Ah merde, elle flash. Voilà. Bon, bah c'est pas grave. Là par contre, Léa Kali essaie de la trader en auto. Voilà, des petites spires. Une petite spire dans les bouches, dans les dents. J'essaie juste de perdre la gros décrit. Voilà, c'était juste en mode fun, tu vois. Genre, c'était en mode tu tentes les choses, t'as plus de mana. Oh, t'as le seum. Allez. Mais c'est pas grave. Assist plus kill contre kill solo, c'est bien. T'as pas encore de bounty. T'as que 2 kills, donc ça va, ça se passe bien. Tu pars sur quoi là? Tu pars sur une pioche? Est-ce que je prends une pioche? Ouais, pioche, c'est bien. Pioche, c'est vraiment violent. Il sort de vraiment être violent. Une pioche là, ça va être la violence. Ta pioche quoi. Ah oui, là ça va être très très vénère. Après, quel champion devrais-je acheter avec 4800 pays? Alors, je vois un petit peu sur le chat aussi. Je ne sais pas quel champion coûte 4800 pays. Donc, forcément, là je ne peux pas te répondre. Il va prendre ta tour au top, je pense. Essaye de décaler un petit peu. C'est le moment où tu peux décaler le bot. Dans 15 secondes. Tu peux décaler le bot, mec. Au mid, je pense que c'est pas dingue. Ouf. Bot, mec, c'est très très violent. Les décales au bot, mec, avec ulti, c'est tellement bien. Donc, on va voir 8h15 un dimanche. Je me prépare pour la messe. 5, oui, non, c'est 8h15 le dimanche. 3, donc, 2, j'espère que vous allez être chaud. Attention, est-ce que t'as la range? T'as quoi comme range là? C'est pas mal, essaie d'arriver sous tour limite, hein, tu sais. Oui, dealer de push, dealer de push au bot, dealer de push au bot. Push bot, j'arrive ulti bot. Oula, pas mal, la bible, hein, très solide, hein. Rien à dire là. Vraiment pas mal du tout. Vas-y, t'arrives dans le back, t'arrives on dans le back. On va arriver là, mais c'est pas grave. Oh mec, tu les défonces. Ok, laisse les push. Attends un peu. Tempo, mets une petite ward à gauche. Ok, nice. C'est bon, tu récupères un kill quand même. Donc, stun là. Voilà, petit Q-spell, voilà, solide mon pote. Bon par contre là, mets une auto pour essayer de faire proc ton passif. Ah, t'as bloqué. Ah,
Oh, quel dommage! Oh, dommage! Donc, t'as fait preuve que le passif. Donc, c'était pas mal. Des petites autos, des petits spells. C'était vraiment très bien fait, malheureusement. Ça n'a pas suffi. T'as récupéré quand même deux kills. J'ai c'était solide. Hein. Kills, c'était vraiment solide. Bien. Donc, là, tu peux t'amuser à faire un petit peu le Mariole. Tu pars sur quoi en bot comme, en général? En bot, j'hésite tout le temps, tu vois. Genre, soit je prends la lucidité histoire de vraiment faire le port. Vraiment, voilà, c'est vraiment pas mal. Soit après je pars sur de la sur des mercuries quand j'ai besoin de tanky ou sur drôle. De la moby quand je joue moby c'est drôle moby c'est drôle moby, tu c'est peux drôle. Lucidité si vraiment lucidité, tu veux spammer c'est vraiment bien lucidité sur pourtant si tu veux spammer tes sorts c'est vraiment pas mal pas mal pas mal honnêtement bon play ça t'as pas là t'as pas utilisé la potion peut-être que ça aurait pu ça aurait pu te sauver je pense je pense que j'ai utilisé le flacon ah t'as utilisé le flacon ouais je pense ça du coup ça change un petit peu est-ce que t'as acheté ton frigo l'herbe oui enfin donc on a enfin acheté un frigo à la Bro House, donc je suis avec Xari, Domingo et moi-même, hein, donc voilà. On a une petite coloc ensemble, c'est très très drôle. On sape des barres, mais bon, je pense on galère un petit peu. On va réussir à attraper un fils. Hein. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Mec, il a plus de. Oh, pas mal fait ça part. Hein. Pas mal fait. Essayez d'aller voir dans la jungle ouais. De la Sage, parce que la Sage Journey est vraiment. Elle est un peu au fond. Et vraiment pas bien là pour le coup. Ok. Ok, let's go. Oh, nice. Mec, tu la défonces. Vas-y, le stun, oublie pas. Oh, le spell, voilà, mortel. Ignite, elle meurt. Voilà, allez. Solide, putain, le mec il se retourne, il fait ok, t'es mort mon pote, y'a pas de problème, fais gaffe à la calque de décale. Ok, vas-y, barre-toi, stun-le, ça te prend un peu de vision. Ah ouais, voilà, fallait prendre un maximum de. Oh, il a raté. Vas-y, oh putain, dommage, t'as pas réussi à prendre le kill là. De toute façon, comme les dégâts de la part du Z là, c'est pas mal fait. La bot, ah putain, c'est compliqué là. Le Z là, il a plus de R là. Oh allez. Putain, oh ah non là là. Quel dommage. Attends, Lucille. Allez, bim. Et boum, le Q-spell. Solide. Ça fait quand même du 2 pour 2. Compliqué. La botlane vient de mourir aussi, si je ne m'abuse. Oui, le Varus est mort. Le Zilan est mort en face. Ok, vas-y, prends une épée longue. Tu vas partir sur le dernier souffle, mec. Dernier souffle, Bruta, c'est vraiment le meilleur combo si jamais on veut faire des dégâts. Très tôt dans la partie, avec ton ulti, tu peux décaler. Tu peux aller au bot si tu veux. Tu peux t'amuser. Là, par contre, c'est vraiment une game. C'est vraiment une game fun, là, pour le coup. C'est vraiment pas mal. Pour Chase, c'est bien. Pour Chase, c'est bien les mobis. Mais les lucidités, pour spammer en lane, pour spammer n'importe quoi. Ça déchire, quoi. Ça déchire. Donc, attention. Ah, mais de toute façon, elle essaie d'arriver dans le bac. Elle a son ulti, t'as plus trop de mana quand même. Elle a plus trop de mana. Non, mais elle a son Z, donc de toute façon, si je lui saute dessus, elle va. Ouais. Bah, tu peux la stun. Je pense que tu peux l'avoir. Si t'arrives bien dans le bac là. Genre, ouais, comme ça là. J'aurais dit un poil derrière, mais bon, ça va. Oh, fait... oh là là, oh ult. L'ulti des queues. Oh, l'un des pires ultis. Oh merde. Non, mon pote. Vas-y, elle a pas de mana. Elle est morte. Solide, putain. Voilà, Drake au pire. Vous pouvez faire le Drake sans trop de difficultés. Ça devrait se passer. Donc, ok, let's go. C'est qui avec LRB? C'est un rédacteur, il s'appelle Cinetic, et donc vous pouvez aller lire les articles directement sur Eclipsia.com. Ils font pas mal de news, hein, donc voilà, il n'y a pas que la Web TV sur Eclipsia. Allez voir aussi les petits articles alors, qui sont faits par nos rédacteurs d'amour. Je attention quand même à la bombe. Voilà. De pas... Les dégâts de dingue, vas-y, une petite spire. J'ai pas le CD. Une petite spire là, allez hop, les. Et boum là. Oh non, oh non, là t'es un petit peu déçu. Le Q-spell. Ah non. Dommage. C'était pas horrible. Hein. C'était pas horrible là le Q-spell de la part du Lee Sin. La Sejuani est partie très vite. Je crois qu'elle a flash. J'ai pas trop vu l'animation. La Sejuani, je crois qu'elle a flash. En tout cas, le Zilean a flash, c'est certain. Ah oui, ça il s'est bien barré quoi pour le coup. Donc ça se passe bien. Les dégâts, il s'est dit non. Ok, let's go. C'est quoi la technique quand quelqu'un ramène une anglaise, les deux autres restent devant la porte? Non, chacun a sa chambre. Donc, ah mon dieu, je suis n'importe qui peut ramener une anglaise, hein, ça devrait se passer. Attention quand même là, voilà, c'est pas mal. Vous pouvez vous retourner limite. Ouais, hein. On peut se retourner. Vous pouvez vous retourner là. Là vraiment, c'est le moment où vous êtes pas mal du tout. Pourquoi le pseudo LRB? Je prends la Kali. Bah, je vous invite à dire, si vous me connaissez un petit peu, je vous invite à le mettre sur le chat, la réponse pourquoi LRB. Parce que je sais qu'il y en a qui disent, oh, c'est le roi des bisous, blablabla. Bla, bla. Ce n'est pas ça. Donc pour ceux qui le savent, attention quand même, il y a level 10, c'est un level 10. C'est ton ancien pseudo, ouais, si. Non mais je la... Fire tellement, mon gars. What? Elle a vraiment fire à ce point-là, là? Ah non, là c'est chaud quand même, hein. Ah non, là c'est triste, hein. Elle s'est dit, attends, il veut m'enlever 90% HP avec une spire. Du bowling, non, c'était pas du bowling. Genre, ça vient du temps où ils faisaient du bowling, ils ont dit carrément. Pas du tout. Si, mec, tu faisais du bowling. J'ai où j'étais chaud au bowling, hein. Vraiment. un des meilleurs, hein. Non, pas du tout. Exactement, voilà, du laser game. Il y en a qui sont là. Hein. Xeo qui suit un petit peu. Tous les viewers, on la connaissent à peu près. L'histoire du pseudo Herbert. Sont quand même là, le fils là qui fait un petit peu le dingue. Flash out instant, mais ça balise un peu. Hein. Ils sont chauds du flash. Ils sont méga chauds sur les flash. Hein. Parce qu'elle met de suite à Kali. Oh là, les spells qui ont été ratés de la part du Z là. Ça serait super. Donc, oui, c'est le laser game. Attends, regarde un petit peu au milieu. Ça va bien ulte dessus. Attends, s'il bait un peu. Il y a moins de faire des trucs là. De toute façon, j'ai mon ulti. C'est du 1v1 bot. Attention tout de même aux dégâts qui peuvent être mis. Vas-y. Oh putain, c'est chaud. Il faut qu'on trade. Non, c'est pas mal. C'est pas... merde. Voilà. Oh dommage. Attends. Vas-y, stun-le. Nice. Okay, elle va pas mourir. C'est bon, recule.
J'ai évité de frapper un poteau avec la bombe, quoi. C'est genre bonjour Z, tu veux une bombe. Pas mal, bon focus là pour le coup. L'ultime, je pensais que ça allait fight, finalement ils ont juste disengage instant. La ceinture, le problème avec Panthéon, c'est que. Ouais, des fois tu te fais un peu bait. Voilà, des fois t'as trop confiance, tu fonces et puis tous tes potes te regardent en mode eh, c'est pas mal ce cercle comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? Ah, c'est beau, viens, on s'éloigne. Eh ben, ouais, bah excusez-moi, mais bon, j'ai 125 secondes dessus, donc si vous pouviez bouger quand je le fais, ça serait cool. Et c'est là que je commence à trash et que je me fais ban, tu vois. Ah, d'accord, c'est donc ça. C'est ce moment-là, tu vois. 3 questions, 3 réponses, y a pas de problème, moi je suis là sur le chat, on partage, hein. Allez, nice. Un max de partage, n'hésitez pas à poser un maximum de questions, on va essayer d'y répondre. En attendant, on regarde un petit peu la game, ça se passe bien pour toi, là c'est du coaching fun, là pour le coup c'est pas une game ranked, donc du coup on est plus en détente. J'aurais préféré le dernier souffle, je pense, le dernier souffle c'est pas mal, après le coup près est pas dégueu. Parce que celui-là coûtait plus de boules, donc je me suis dit vas-y, peut-être. Ok, vas-y, on part sur ça, allez, ça me va, la réponse est pas mal, ça coûte plus de boules, ça me ressemble bien à moi, dans la vraie vie, je l'aurais fait, ok c'est bon, c'est parfait. Donc let's go, en plat 3, est-ce que Darius Top est viable? Darius Top est viable, mais très dur à sortir, très dur à sortir, donc je pensais que c'était le Riboulette, pour rappeler c'est les origines, bande de trolls. Oula, par contre là, c'est passé des choses. Oh, il s'est passé un décalage au niveau de la botlane. Ah, ça s'est mal passé pour vous. Hein, c'est pas comme s'il y avait Massward sur la map, j'ai envie de dire. Donc, RB, tu vois quel âge? J'aurai 23 samedi. Donc, là, ce samedi-là, là, le 18. Donc, juste avant les Worlds, je ne pourrais pas sortir du coup pour mon anniversaire, vu qu'il y a le World le lendemain. Je suis un petit peu déçu, mais bon, pour vous, c'est pas grave, on donne tout. Attention, voilà, sur la bot lane. Ok, ça dépêche un peu. C'est pas mal. Il était challenger avec ses potes au Lazarien. Les vrais trolls. Donc trouves-tu Z top bien au niveau silver? Oui, au niveau silver, Z est bien partout. Z est trop bien, genre au niveau silver, si vous savez le jeu par contre. Parce que ça peut être très nul aussi. Ouh, bro. Attention quand même, les petits dégâts. Oh là, il est mort, laisse tomber. Ah bah dommage. Ah bon bah voilà. Pas mal hein, genre là t'es bien pour pêcher, tu récupères les creeps, c'est pas mal. Toujours mec, toujours. Toujours solide. La malédiction du Panthéon. Vraiment très très solide. Tu veux faire un move et tout, t'es chaud et pas du tout en fait. Vas-y, mets un petit stun, lui c'est fait le dingue là. Voilà, c'est bon, tu prends la petite tour. Fais gaffe un petit peu, hein. Là ça peut aller très très vite, hein. Les petites engages, ça peut aller très très vite. Au bot ça va aussi engage directement sur cette triste. Triste est pas là. Va sur la triste, décale sur la triste. On voit que la triste a essayé est-ce de s'enfuir. Est-ce qu'elle va jump au dessus? Est-ce qu'elle est morte là? Ouais, elle est morte. Ok, elle est morte par les dégâts de cette Nami. Donc ça c'est passé, va au top. Va prendre un peu plus d'XP au top. Donc let's go. Tu es plus jeune que moi. Bah 23, je commence à faire vieux, hein. Ça commence à faire beaucoup, hein, 23. Bientôt la retraite les gars. Donc quel rank? J'ai 27 000 pays, mais je sais pas encore comment faire. Achète des champions et des runes, tout simplement. Genre aussi simple que ça. Il y a rien d'autre à faire hein, avec les pays. Donc les runes. On peut offrir une Xbox au bout d'un moment. C'est j'avoue. Comme ça que ça bientôt la petite boutique Riot qui vous permettra d'acheter des cadeaux. Non, bien entendu, c'est de l'ironie, les amis. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, qu'ils soient pas là en mode. Oh, Riot va implanter un truc là. Attends, on va pouvoir acheter des trucs. Oh, la rédac, t'as pas fait de news, je ne comprends pas. Ce serait très très drôle d'ailleurs que les gens y croient. Là, mais si on commence à faire des wax comme ça, ça va pas bien se passer. Oui, j'avoue, ce serait assez moyen. Qui est la personne que l'arbre coach? C'est Cinetic, qui est un membre de la rédac. Voilà, on le répète, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Yes. Donc, bonjour, les gens ne poseront plus la question. C'est ça, au bout d'un moment, tu seras famous comme c'est jamais. Ça. Tu vois, Skyheart, ils vont faire c'est qui Skyheart? C'est qui le mec à côté de Cinetic là? Ah, c'est Skyheart! Ah ouais. Genre, tu vois, un jour, les gars. Ah, c'est le petit stun. Oula, par contre, fais gaffe, pas le dingue. Le petit stun sous tour, c'est pas mal fait. T'as pris un fiche. Non, c'est pour ça que j'ai pas go. C'est pas mal. Ok, là, t'es bien. Ok, c'est bon. Vous avez engagé, vous avez protégé votre tour, t'as le dernier souffle, et là, tu vas commencer à mettre de. Et j'ai mon ult en plus. De bonnes tartes. Tu me conseilles Riven pour monter en elo? Oui, totalement. Moi, totalement. Je traîne Riven. Riven, c'est très dur à jouer par contre. Enfin, c'est pas très dur à jouer, mais il faut savoir prendre les trains. C'est ça. C'est pas horriblement dur, mais c'est sympa en tout cas. Genre, je vous le conseille. De toute façon, tous les assassins, les amis, pour ceux qui me demandent pour carry à tel elo, jouez juste des assassins. Z, Kha'Zix, Riven, Akali. C'est parfait, genre si vous voulez monter, c'est genre tranquille quoi. Donc n'hésitez pas, ça fait le Drake, va au top maintenant. Va au top, ouais, là ça sert à rien, ils n'ont pas besoin de toi. Donc là, la Kali prend beaucoup d'XP en solo, hein. Depuis tout à l'heure, elle se met vraiment pas mal. Elle push, il y a des sbires qui vont push, il y a une deuxième wave qui va arriver, donc ça devrait le faire. Je mets une Otis Jungle, Silver 5, c'est bien. Pas dingue. Donc si tu passes par Saint-Pétersbourg, nice. En Russie, grosse je ambiance à Saint-Pétersbourg. Ok, bœuf bourguignon à Saint-Pétersbourg. Je suis pas sûr que ce soit la spécialité locale, oh, hein. Je t'avouerai. Pas sûr non plus, hein. J'aime bien la Russie, hein, mais. Ça doit être pas mal la Russie. J'aime beaucoup loin les pays de l'Est. Des filles aux yeux clairs, il y en a masse. Ah, mais elles sont pas forcément brunes. Mais il y en a beaucoup des jolies. Ah oui, par contre, ça oui. Donc ça va, ça devrait le faire. Donc let's go, on regarde un petit peu. Je joue J-Stop en ce moment et le ratio win est de 8-0. Bah là, mec, tant mieux parce que J-Stop c'est vraiment pas mal. Oh, les petites agressions qui sont prises. L'ultime de la part de la Nami, est-ce qu'elle récupère le kill? Elle récupère pas le kill derrière.
Attention quand même à cet Akali. Attention à cet Akali. Ouais, il se passe des choses. Ah, pas... Oh, l'ultime là par du Varus, c'est vraiment pas horrible. Est-ce qu'il y a moyen que je vienne pour tout casser? Ouais, je pense que tu peux arriver dans le bac. Hein. Je pense que tu peux arriver dans le bac là, t'es un sale. Attends, ça chase, ça chase, ça chase. Vas-y, vas-y. Oh putain. Oh putain. Je peux pas, mec, ça s'arrête plus là. Vas-y, vas-y. Oh merde, non, t'as dû mettre derrière, t'as dû mettre derrière. Ah, là, c'est pas dingue. Oh putain, les mecs. Pas mal, un kill, un kill. Est-ce que tu pourrais récupérer un deuxième? Allez, un deuxième, un deuxième. T'as mis l'ignite, t'as mis l'ignite. Ok, ça va, deux kills, deux kills. Tu récupères le truc, deux points. Vous avez pris quasiment un ace, mais bon. T'en as eu deux autres, donc ça passe. Elle est partie où cette Akali? Genre très étrange son placement. Tu peux partir sur un Tiamat si tu veux t'amuser. Un Tiamat, donc, Tiamat, c'est très drôle. Tiamat. Ça peut être très drôle. C'est Repentéon, je pense que si tu veux partir full DPS, bien entendu. Ouais. Après, tu peux partir genre sur du tanking, bien entendu, ce sera mieux. Voir si. Parce qu'en fait, dans ma team, je pense pas que ce soit vraiment tanky actuellement, tu vois. Ouais, c'est pas du tout tanky même, hein, dans ta team. Je pense qu'il faut mieux que je tanque un petit peu quand même. Vas-y, si tu veux, si tu veux. Genre là, on était parti dans une optique full DPS, plus fun. Là, on est parti vraiment dans le but. On sauve sa team, bien entendu. Voilà. C'est plus sérieux, c'est plus safe. C'est ce que je faisais en fait quand j'ai commencé à jouer à Panthéon. Max XP top. Ouais, quand j'ai commencé à jouer Panthéon, alors ça m'énervait parce que genre, j'arrêtais pas de jouer genre full DPS, je prenais tous les kills et à la fin je perdais, tu vois, j'étais en mode mais attends, je comprends pas, j'ai fait 27-3 mais j'ai perdu. Ouais, sauf que 27-3, 27-3-0, bah ta team elle a pris aucun kill, tu vois. Oui, c'est ça le problème. Après, je me suis dit, en fait, tu vas peut-être arrêter de faire le mongolien et tu vas prendre de la résistance avec. Et magie, tu prends moins de kills mais tu gagnes plus, tu vois. C'est pas pourquoi. Exact. C'est vrai. Bah c'est mieux hein. Au final, ouais. Tu peux pas carry tout seul si t'as tous les kills. Du coup, c'est moins bien en fait, il faut essayer de parfois laisser quelques kills. J'ai une philosophie plutôt altruiste, tu vois, et pourtant c'est moi combat dans ce jeu, tu vois. ouais, j'imagine de te voir en jeu, genre dans une vraie game, en mode oh putain, oh non, tu m'as pris le kill, enculé. À vous, c'est ça. On le sait, Théo, c'était comme ça, donc c'est normal. Olé, olé, c'est quoi le rang de cinétique et gold de 5. Oh, pas mal ça. Oh, mec, voilà, Lucine, il met le 1 instantanément, ça flash in, hein, ça perd pas de temps, ça récupère le kill qui a été récupéré sur ce panthéon, 10 kills. Hein. Alors, des gens, on ne donne pas les kills, bien entendu, on donne les kills à notre équipe. J'en ai donné 10. On en a 10. Ok, très bien, donc la philosophie, hein, bien entendu, il a quand même 10 kills sur les 18, ce qui n'est pas trop mal. Donc. Ce qui fait que je finis par me faire focus. On passe à la télé. Gonvoir, mon fanart, passage gold grâce à vous. J'irai le voir juste après Civilization, je le retweeterai certainement. Voilà. Si vous avez des petits dessins à m'envoyer, n'hésitez pas. En général, j'essaie de les retweeter, j'essaie de les remettre sur ma page Facebook, etc. Donc faites-vous plaisir, balancez. Je regarde un petit peu si elle a déjà les yeux clairs, c'est bien. Oui, j'aime beaucoup les filles aux yeux clairs. Les cheveux, je préfère les blondes, mais ça me va. Les brunes, ça va, c'est pas horrible quoi. Genre, mec, alors que les yeux foncés, ça par contre, c'est horrible. C'est dead. Ah, pour le coup, c'est vraiment horrible. Bon, après, sous alcool, bon. Au pire, on fait des concessions. Voilà, il y a peut-être des concessions. Bon, bien entendu, ceci est un stream qui ne finira pas sur YouTube, c'est une blague. Non, je rigole, il finira sur YouTube. Monsieur Patate. Attention, Monsieur attention. Patate. Oh, nice, voilà. Ça c'est propre ça, putain. Tu assistes? Ah, t'as même pas eu l'assist. J'ai failli KS à la Vélite en mode gros. J'ai vu, la tentative de KS, c'était pas cure-dent, mal, tu vois. C'était pas horrible du tout. Donc, je regarde quelques questions, je regarde un petit peu les trucs sur le chat. Tout est viable en solo queue, exactement. Donc il est chat restreint ou c'est moi? Oui, il est chat restreint, voilà, et il est aussi ranked restreint. Donc ça c'est rare, ça c'est moi, très rare de voir ça. Moi je suis un gros toxique, c'est le problème. Oui. Oui, ça c'est un petit peu la merde, donc mais qu'est-ce qu'il attention fait attention. Ouh, bon. Pas mal. On sait jamais, on recule un petit peu. Déjà, au niveau de la botlane, il y a pas mal de tu mets le et puis les gens firent, tu vois. Ouais, en même temps, tu fais un peu mal quoi. Il bouge dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il fait? En même temps, tu prends un petit peu cher. On regarde un peu. Tu vas partir sur quoi comme ça? Tu vas partir sur un Randuin, j'imagine. Exactement. Donc, oui, classique. Hein. Oh, le devin. Classique sur Panthéon. Après, en face, ils ont quand même pas mal de dégâts magiques. Ouais. Donc, tu prendras certainement une petite Banshee après. Un Banshee qui est très très bon. En item défensif, c'est vraiment. Mais c'est exactement ce que je fais. Vraiment très très bon. C'est pas une enquête. Non, ce n'est pas une enquête. C'est une game draft, justement, vu qu'il voilà, est ban parce de que enquête. Je suis ban, tout simplement. Même. Donc, voilà, aussi simple que ça. Tout ce que je mérite. Attends, mais t'inquiète pas. Là, en même temps, si tu trashes, c'est normal. Si tu trashes, c'est normal. Je trash pas. Bon, un peu, mais que quand c'est des connards, tu vois. Non, ce n'est pas une enquête. Oui, en même temps, c'est des connards, je peux comprendre, mais tu ne dois pas. Même si c'est des connards, tu ne dois pas. À partir du moment où tu commences à les appeler connards, c'est qu'il y a un problème, tu vois, dans oui. Oui, ta mentalité, tu vois. C'est vrai. Attention, le Fizz, il va faire beaucoup de dégâts. Vous êtes pas si bien que ça dans la game. Ouais, on a 19-17. Il y a beaucoup d'XP au top, énormément d'XP au top. C'est là qu'il faut que je commence à laisser des kills. Il faut que tu prennes l'XP top et que tu TP, enfin que tu utilises ton ulti là, parce que sinon vous allez perdre beaucoup d'XP pour rien. Et il faut en fait, pour gagner des games, il faut essayer d'optimiser le GPM toujours, donc le gold par minute. Et pour ça, il faut essayer de faire de bonnes rotations, essayer de mettre des slow push au top pour du coup forcer les objectifs. Et pour faire un slow push, et ça c'est très dur. Tu push un tu peu. Tu casses, mais de combien la il faut laisser une demi-wave quasiment. D'accord. Une demi-wave environ pour ensuite mettre un slow push au niveau de l'autre. Genre que les mêlées ou un truc comme ça. Genre essayer de mettre. Ça dépend un petit peu des sbires. Ça, c'est très compliqué à expliquer parce que moi, c'est en général, je sais à peu près quand ou quand il n'y a pas le push.
C'est genre, moi je me dis là c'est bon ou là c'est pas bon. Tu vois, il n'y a pas de genre de situation. Je me dis, ah là il y a tel nombre de sbires. C'est surtout, ok, la vie de mes sbires est à tel point, la vie de leurs sbires est à tel point. Là on peut se barrer. Le Z est en train de se push. C'est très bien. Faut juste pas fight là. Ok, ouais, ultime. C'est bon. Attends. Vas-y, essaie de disengage si jamais. Ok, c'est bon. Non, c'est bon. Par contre, t'avais pas besoin d'ulti. Non, mais c'est bon, j'ai ok, t'as cancel. Nice. T'avais ulti non? En fait, j'ai ulti et si tu cliques droit direct, c'est bon, tu peux le cancel en fait. Ok. C'est pas mal ça. Ça, je t'avouerai que sur le Panthéon, je ne joue pas beaucoup Panthéon. Du coup, tu secondes, quelque chose. T'as 10 secondes de délai après, okay, où tu peux pas le relancer un petit peu comme Ludo Kate, tu vois, quand je te fais. Ah, ouais, ça par contre, ça oui. Ça oui, attention quand même. Mm-hmm. J'ai bien envie de leur tomber dessus là, tu vois. Vas-y, bah go, au pire. Mais... On part sur un go, mon pote. On part sur un go. Alors là, mon pote, les dégâts. Oh mon gars. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a pris? Voilà les gars, tu rentres dedans, tu vas le prendre un ulti de Z. Allez, voilà, c'est logique. Pourquoi le Z est parti? Oh, il aurait tellement dû les tuer. Oh, c'est dommage quand même. Oh, c'est pas dingue. Oh, ça a pas suivi direct. Ah, t'es sérieux, voilà. C'est le fait def là. Là, vous êtes fait def. Pour le coup, c'est pas dingue du tout. Ça va se passer. Eh bah, te dash in, mon pote, ça va pas se passer, je pense. Je te dis, ça va se passer. La triste. Ah ouais, voilà, et là Akali. T'es sous fatigue, t'es fatigué, recule. Ouais. Voilà, mettons dans le bush, essaye de gagner un petit peu de temporisation. Ouais. Voilà le petit double kill. Attention, bombe. À la bombe, voilà, elle inflige quand même quelques dégâts. Regarde un petit peu sa chase, ça va être compliqué. Voilà, barre vous. Là, ça risque d'être très chaud. Vous avez mis beaucoup de dégâts sur ce vis, hein. C'était très très propre. Derrière, c'est un petit peu grid. Le j'ai Z est. Pris deux kills, c'est barré. Hein. En laisser plus. Ouais, mais c'est pas grave. Ça, tu t'es mis super bien là sur le coup. Vous en êtes bien sorti. Mais bon, ouais, il a pas vu leur vie, c'est normal. Il a vu beaucoup de backup, c'est normal avec le Z. Mais clairement, ça. Si vous là, c'est chaud quand même. Ça hein. fait peur, tu vois trois mecs qui foncent vers toi, forcément. Ouais. Ça fait toujours peur, c'est normal. Donc là, tu finis ton rendu, tu prends un petit peu de MR. C'est ça, cache le négatron. Ouais, cache le négatron. Et là, honnêtement, là, t'es très très bien dans la game. Hein. Rien à dire. Tu laisses le rendu en 4, enfin 5 du coup. Du tout. Ok, donc là tu le mets en 3, c'est pas mal. On change un petit peu de choses. Est-ce que je lis des mangas? Donc je ne lis pas de mangas. Donc je regarde quelques animes. J'ai regardé par exemple L'Attaque des Titans. Avant je regardais beaucoup d'animes, maintenant je regarde absolument plus du tout. Donc je ne lis non plus de mangas. Donc c'est un petit peu posé quoi. Donc un slow push égale tuer les sbires range 1. Ça suffit pas en fait, des fois. Ça dépend un petit peu de ta lane aussi. Donc un slow push, des fois ça push trop vite en fait. Si tu push par exemple les sbires mêlés, des fois il faut en laisser plus. Ça dépend du nombre de sbires que t'as aussi sur ta lane. Donc Wedra aussi qui est un excellent joueur. Il faut savoir, Wedra c'est un diamant si je ne m'abuse. Il joue très très bien. Voilà, c'est un viewer diamant. D'accord. Quand même. Il est solide. Et donc du coup, ça dépend un petit peu des lanes bien entendu. La majorité du temps, oui, il faut juste tuer les sbires range. Et comme d'accord, ça se passe bien. Mais parfois ça dépend aussi du nombre de waves. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Attention, voilà, le petit Drake a été secure. J'ai adoré ta vidéo Silent Hill Pity, je me suis mis en condition. Ah bah en même temps Silent Hill Pity. Est-ce que c'est des choses l'omide. Le jeu fait tellement peur. Attention, t'as encore ton ulti. Ouais. Tu peux. Mais je suis à côté, je suis à côté. Ça va, voilà. T'es à côté, c'est tranquille. Je pensais pas. Est-ce qu'il va aller sur la jungle? Non, il va pas aller dans la jungle. Ça devrait le faire. Donc là t'es pas mal. Hein. Ouh, si tu gagnes l'envie. Si Dashin reste. Oh, par contre là oui. Okay. En fait j'étais toujours changer de trinket aussi. Faut changer de trinket très tôt avec Panthéon. Attention quand même là. C'est pas mal ça. Est-ce qu'il faut réussir à le sauver? Ah, oh là tu vas le stun instant, Voilà. Ah, j'ai pas pu. Ah, t'as du stun après, elles sont dash. Attention quand même, c'est Johnny, c'est compliqué quand même. Ouf. Elle prend des dégâts, mais ça ne sera peut-être pas. Les attention, là par contre, t'as besoin d'aide là. Da flash out, voilà, nice. Recule, instant. Est-ce que vous pouvez aller chercher un kill là? C'est pas mal. Utilise son rendant. Désolé. T'as dû mettre un poil plutôt, mais c'est pas grave, tu récupères le kill. Attention, est-ce que t'as le stun? Non. Oh, bientôt. Oh, dommage, ça joue à pas grand chose là. Ça récupère quand même pas mal de kills là. T'es très très bien. L'ultime de la part du Zilan qui permet à ce fils de revenir. Le Varus. Oh, allez. La flèche. Ah, oh non, dommage. Oh non, la flèche. Oh non, pas après tout ce que t'as fait. Après tout ce que t'as fait, non. Et là, il va se chercher par le fils qui attend dans le bush. Voilà. Il arrive sur le kill. Oh là là. Allez, Nami. On a tout. Ah. Et le Lee Sin KS. Oh non, pas du tout. Oh là, les gars, non, pas ça. Non, laissez pas couler. Oh, le kick carrément. Il a fait non. Il a tout donné. J'ai le kick. Ça s'est bien passé au final. Parfait. Petit fight, hein, très compliqué, mais. Mais au final, on prend peut-être la tourine. Ouais, on peut la prendre. Solide. Qui vient, mais il y aura peut-être le temps. Ah non, pas mal. On est bien là. Donc là, il faut essayer de focus. Tout à l'heure, t'as essayé de focus un petit peu là, c'est Giovanni. Ouais, t'as eu un petit moment de flottement, on va dire. C'était assez chaud. Donc bon, compliqué. Bon, c'est quoi le nom du premier stuff que Panthéon a pris? C'est le flacon cristallin qui permet d'avoir énormément de sustain. Donc 3 semi-potions vie mana, c'est vraiment très bien. Donc let's go, tu peux finir par ne pas avoir les récompenses de saison. Oui. Ouais.
Oui, il ne les aura pas d'ailleurs, je crois. C'est pour ça que je vais devoir farm en fait. Tout ouais, simplement, je vais farm si tu es ban de ranked à la fin de la saison, bah tu n'as pas les récompenses. Ma petite Morgana, j'aimerais quand même la voir. C'est vrai que la Morgana victorieuse, elle est vraiment. En gros, c'est la première saison que. Enfin, je joue depuis la fin de la saison 1, je crois en plus. Mais la fin de la saison 1, j'étais un gros tardos, je devais être niveau 3, tu vois. Ah oui. Mais. Pas mal. Voilà, mais genre. Mais en gros, c'est la première saison où en fait je fais des ranked et que je passe gold, tu vois. Oui, ça va, c'est pas horrible quand même. Pour une première saison, passer gold, c'est pas. Non, mais c'est sûr, mais disons que j'aurais bien aimé finir ma saison avec mon skin, tu vois. Genre, pour une fois que je passe gold, j'aimerais bien avoir le skin, tu vois. Et là, l'autre me fait non, t'es gold, mais le skin, non, non. Ah oui, là, du coup, il fait ah non, c'est chiant d'être toxic player. Pas mal, le petit Nashor là, le bon call qui a été réalisé. Hein. Ton équipe joue bien, honnêtement, ils sont pas réussis, tu vois. Ils sont solides, y'a rien à dire. C'est quand le prochain LC Family, je ne sais pas exactement quand est-ce que ce sera. Go Exrinker, Portables, go full all-in. C'est vrai que non. Enfin, moi je serais parti Tiamat, Exrinker, donc forcément c'est vraiment là du full all-in. Là pour le coup, il est parti sur du stuff. Disons que s'il y avait un petit peu de tankiness dans la team, j'aurais pu le faire, mais là je me suis dit que j'allais plus rock qu'autre chose si j'avais vraiment pris que du DPS quoi. Ouais, non, mais là c'est plus en mode plus safe et il faut faire ça en général en game si jamais. On n'est pas en ranked, mais on se met en condition. C'est ça. C'est une game coaching. Bon, sur le coup, j'étais pas trop coaché, hein. J'ai juste dit par exemple, vous allez par moment, mais bon. Pour le coup, t'as bien joué tout seul, donc ça s'est bien passé. Push top, beaucoup d'XP. Push top toujours, hein. Essayer de revenir maximiser, aux bases, hein, revenir aux sources. Toujours essayer de mettre du push parce que là, si vous avez avantage Nashor mais que vos lane push, bah, ça vous force à back, ça vous fait perdre du temps, c'est très très mauvais. Du coup, toujours essayer de push un maximum, voilà. Essayer de push un peu, essayer de push la prochaine wave. Ah oui, putain. Le E ça se passe. Ça va vite, hein. Ça va très très vite, hein, le push. Attention quand même, hein. Ça peut arriver sur ta bouche là, voilà, même petit E. Nice, voilà, tu prends les creeps et là tu vas pouvoir back, voilà, recule. Va au mid, il y a peut-être une petite engage de la part de c'est Joanie, pardon, je cherchais encore son pseudo, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de voir. Est-ce que tu peux, c'est chaud quand même, vous êtes 4v5. Faudrait attendre attends, il a l'air d'y aller. Il a peur, hein. Il a vraiment peur, hein, avec sa sèche, faudrait que tu changes de trinket, fais gaffe, voilà. Essaye de push au mid. Essaye vraiment de le out-rotate en fait. Follow out position. Là, ils vont directement aller vers le bot. Pas les suivre comme des tarbes, voilà, faut pas du tout les suivre. Hein. Essayez juste de faire les objectifs comme il le faut. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. Faut envoyer le Z en solo en fait. Le Z en solo, il défonce tout le monde. Hein. Il faut savoir que là, Z, level combien? Level 17. Ouais, il s'en sort bien. Il a combien? Il va bien s'en sortir, ne vous en faites pas pour 4, lui. 4-5-6. Ouais, même s'il a 4-5-6, faites gaffe quand même, va pas vous faire engage tout tour. Non. Quoi? Oh putain, ça va, la chatte. Il ne sait pas ulti. Donc là, tu peux utiliser ton ulti pour venir. C'est mieux de l'ulti, je pense. Là. Parce que là, ah, quoique, pas mal du tout. Là, parce qu'en fait, ton ulti aurait pu me permettre de mettre des dégâts de zone qui auraient pas été. Enfin, qui auraient été juste ingérables en fait pour cette équipe. Là, du coup, t'as eu l'opportunité d'aller sur Fuse, c'était très bien fait. Mais je pense que peut-être en teamfight, ça aurait pu faire la différence. Après, c'était un fight très moyen pour le coup. Genre, vous êtes fait un petit peu avoir. Le Zunia qui a été mis, est-ce que vous pouvez le chercher ce kill? Ah oui, il est mort. Alors là, je sais pas pourquoi. Simplement. Il s'est redirigé vers là. Et si le Z qui tue la Sejuani ici. C'est pas mal, solide, ça, solide. Bon, donc, c'est vrai qu'on est 3. Bien. 3, voilà. Bah, 1 pour. Enfin, voilà. 2 pour 4, ça va. Est-ce qu'il va réussir à avoir 7 tours? Il arrive à avoir la tour. Est-ce que vous allez avoir l'inhib? Est-ce qu'on peut push au top? Là, il faut que le Silicin push au top en fait. Bon, la système. À moins que. Oh, il y a déjà l'inhib qui est down, donc c'est bon, il peut prendre l'inhibiteur sans trop de problème. C'est vrai que là, il y en a pas besoin. C'est qui a push au top du coup tout à l'heure? C'est les creeps quand j'ai fini la vague. Ouais, ça allait très vite alors, hein, les creeps. Je m'attendais pas à ce qu'il push aussi vite. Bon, ça va, l'inhibiteur qui est gratuit là pour le coup. Donc bon, voilà, la game, on n'est pas trop focus hein, pour le coup. Je suis en mode bon, j'ai 1300, je prends quoi comme la système? Tu peux partir sur un petit Exrinker. Ouais, ce que je suis en train de dire. Exrinker, c'est pas mal. Exrinker, c'est vraiment pas mal. Tu peux limite attendre. Hein, là, t'as pas grand chose à attendre. On va regarder un petit peu sur le chat. Ce soir, c'est pizza maison. À partir de combien de temps, t'estimes que t'attends? Si ça dépasse pas 30, 40. 40, c'est trop. Ouais. Enfin, 50, c'est vraiment long. Donc après, ça dépend, c'est pour quel item. C'est par exemple un set vampirique. Tu finis ton IE. Bon, voilà, tu finis ton IE, à la limite, tu peux. Tu attends ta trinité, limite, tu peux aussi, mais tu perds un peu de temps. Et 50, ça devient le moment où c'est peut-être pas worth. Donc parfois, c'est mieux d'aller directement chercher des creeps, revenir, et c'est bon. Tu vois, tu sécurises un petit peu plus de gold, tu fermes quand de plus, donc c'est pas mal. Après, c'est pour un self-front empirique, t'attends pas. Hein. Genre, tu y vas, ouais, t'achètes clairement un autre item, hein. T'achètes une lame de douane, etc. Ouais. Donc, oui. Et oui, il est 20h, les amis, donc ça va pas tarder à se finir. Donc, désolé en tout cas du retard, mais bon, voilà. On est là, on coach, on c'est fait les petits games cool. C'est Farabrice, c'est la faute à Farabrice, bien entendu. Hein, voilà. C'est sa faute. Jace, c'est cool pour monter. Jace, c'est très bon pour monter. Hein. Jace, c'est très bon pour monter. Joue à Five Nights at Freddy. Donc peut-être que je jouerai à Five Nights at Freddy un jour. Pour l'instant, voilà, je ne sais pas quand exactement. J'y jouerai. Ouf, attention quand même à l'ultir. Attends, go surface, go first. Oh putain, c'est chaud. Flash out. Voilà, c'était chaud là. Par contre, pour le coup, waouh, il y a eu un Varus qui a juste disparu du game. Là pour le coup, fight 4v5, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Voilà, c'est le début du 3v5, c'était compliqué, il fallait essayer de prendre la vision, toujours essayer d'avoir un maximum de vision autour du Drake lorsqu'on veut le faire. Là on a en plus ça pas de possibilité d'escape.
C'était chaud. Les push au bot. Les sbires sont en train de push au top. Ouais, tu peux là. C'est bien en plus de ça. Panthéon, si jamais vous voulez jouer Panthéon, n'hésitez pas à le jouer en mode split push. On revient sur la mid lane. On oublie. Attends, fais gaffe, regarde le mid. Ouais, je regarde. Alors, regarde toujours la minimap. Hein. C'est toujours très très important. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Là, ça va être compliqué. Là, ils vont push. Je peux pouvoir arrêter celle-là. Est-ce qu'ils vont continuer de push? Non, ils continuent pas de push. Push au bot. C'est pas mal. Regardez les sbires au top, hein, bien entendu. Les sbires au top, ça se passe pas mal. Travail. J'ai adoré les 7 épisodes avec Dash sur Secret of Mana. Vas-tu en refaire d'autres? Je vais essayer de les refaire. Faut qu'on arrive à trouver un petit temps ensemble avec Dash, sachant que nous n'habitons plus ensemble. C'est compliqué. Allez, la première tourelle Nexus qui tombe. Hein. Ouais, limite là. Là, tu push et juste essayer de fight là. Ils vont essayer de fight là en mid. Hein. Ils ont réussi à tuer le. Il y a le virus qui est encore derrière, je pense pas qu'ils vont penser dessus. Ça va. Ouais, ça devrait le faire. Donc on verra si je vais continuer Secret of Mana. Je vais essayer de faire d'autres let's play. Faut que j'essaie de faire aussi Kingdom Hearts. Il y a beaucoup de trucs que je dois continuer à finir, mais c'est très très long. Donc les RPG, c'est peut-être pas la meilleure idée à faire en let's play, mais c'est un truc que j'affectionne moi particulièrement. Donc du coup, je le fais un petit peu pour mon plaisir personnel. Et donc voilà, vous êtes pas obligé de regarder, hein, bien entendu, vous êtes obligé de rien regarder hein, finalement, mais bon. Si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas à aller voir sur mon YouTube, hein, YouTube Le Roi Bisou. Donc vous avez juste à taper Le Roi Bisou sur YouTube et vous tomberez dessus. Attention quand même, c'est quand même assez chaud. Ok, sur la mid lane, ça se passe. Vas-tu faire des lives sur le nouveau Borderlands? Je ne sais pas, je pense que ça sera plus Arteon qui en fera que moi, ou même Domingo et moi peut-être. Hein. Donc on avait prévu un petit peu de faire ça. Regarde au mid, hein. Il y a eu un ulti qui a été lancé là de par la Sejuani. Ok, l'ulti qui a été totalement piffé. Est-ce que tu peux tenter un truc? Faudrait qu'on go, les gars. Il y a le limit, là, il y a l'ennemi de Lucine n'est pas là. Ça va pas go. Ah putain, ça, vous auriez tellement pu go là pour le coup. Regarde la vie de Tristana. La Tristana était pas très là, les gars. Non. Calme. La petite embrasion en mode. C'est quoi la range de mon ulti déjà? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je tente c'est chaud. 50 secondes pour le Nash. C'est chaud. Donc, oui, un petit peu chaud pour le coup. Donc, on verra si je ferai le Borderlands avec Domingo. Il avait dit qu'il était chaud. Moi, j'aime beaucoup. Et mais il faut trouver le temps. Tout le temps. Qui tombe ici. Parfait. Pas mal, le petit inhibiteur qui va tomber. Est-ce qu'on se bat, les gars? Est-ce qu'on se bat? Il va falloir se battre là. Today you fight. Allez, nice. Inhibiteur top là, qui va pas tarder à réapparaître. Merci, Max. Bon, merci. Bien entendu, Max qui vit avec toi et qui vient de te dire tu pues la merde. Voilà, t'es nul à chier, tout simplement. Un colloque de qualité. On voit l'amour. Donc, ça se passe. Tu as déjà joué à Tales of Symphonia? Oui, certainement l'un des meilleurs RPG que j'ai jamais joué de ma vie. Donc, oui, très très bon comme jeu. Donc, moi, de toute façon, moi, les RPG, j'adore ça. Donc, je pourrais pas me dire, n'en fais pas, etc. Il y en aura toujours sur ma chaîne, même si ça clique pas trop. Farah qui taunte, hein, c'est quoi le problème, bande de trolls? Ah, c'est sa faute, hein, c'est sa faute si on n'a pas encore terminé et qu'on a fini à la bourre. Là, c'est sa faute. Petit Nash, engage, hard engagement, non. Attends, ils font quoi? Ils sont où? Ils sont, vas-y, ulti là, on s'en bat les couilles. Tu sais pas trop, mais tu ulti dans le tas. On s'en fout, là, tu ulti dans le tas. Et là, on part sur une grosse engage. Oh là là, voilà! Oh là là, les dégâts! Oh! Wombo! Combo! Oh le kill! Oh mon dieu! Là c'était juste le stomp. Oh dommage, la Tristana là. T'as oublié d'utiliser ton petit en noir là. Vas-y, le petit en noir. Oh là 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 là, le stomp! Oh là là! Bon voilà, GG WP. Bah là ils ont disparu en fait. Bah ils sont où dans le game? Oh là là là! Ce qu'ils ont pris! On a eu le sup. Ah nice! Ah oui! Oh merde, non, c'est très violent! Oh merde! Nami Elicine, tombé pour la cause, mais quand même. Ah, ils sont tombés, mais. Bon bah, ça, je pense que ça va. GG. Ils devraient pouvoir tanker sans trop de les dégâts. Je crois que c'était DFR en face, hein. Donc ouais, ils sont cool, hein. Honnêtement, ils étaient plutôt cool. GG, GG. J'ai pas le chat hall, mec. Je suis ban. Ah oui, t'es ban. Ah, tu peux pas mettre de message en hall. Ah, nice. Bah, bien joué en tout cas. Je leur mettrai dans le chat de fin. Ouais, voilà, petit message de fin. Donc, merci à vous tous. Voilà, les petits tips, ils sont là. Ça fait plaisir. Oxlucky, ManJQ, tu penses quoi d'Orian Hamid? Bah, c'est un champion, bah, axé vraiment late game. Pas très dingue. Donc, je vous le conseille quand même si vous voulez jouer en team, etc. Mais en solo queue, c'est pas ce que je vous conseille. Donc GG, les petits damage qui ont été infligés de la part de notre ami Cinetic. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il a aussi une page Facebook, il a aussi Twitter. Donc c'est quoi ton Facebook? C'est quoi ton Cinetic, S-I-N-E-T-H-I-C, okay. Sur les deux. Donc sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas, voilà, à le glorifier pour sa petite game qui vient de nous faire. Exactement. Avec le Panthéon, le petit fin du game qui a eu lieu. Donc nous, vu qu'on est déjà là, bon, on va faire une petite outro rapide. Donc voilà. Pour ceux qui viennent de regarder ça sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description. Abonnez-vous, cliquez sur les pouces rouges. Bien entendu, les pouces rouges, hein, parce que voilà, un max de pouces rouges. Je rigole, cliquez les pouces bleus. Les pouces bleus, c'est mieux. Donc, et aussi, mettez un maximum de commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, moi, on se retrouve, je ne sais quand, sur une autre vidéo, etc. Pour le live, ça va être Domingo qui va reprendre juste après. Donc, il va vous faire certainement un petit peu de League of Legends. Il va faire certainement des petites ranked team, des petites ranked solo queue. Il va essayer de passer diamant 1. Il est actuellement diamant 2 à 0 points. S'il perd cette game, il va peut-être passer D3.
Donc un Domingo Détroit ce soir. Peut-être qu'on verra ça. Pour Cinétique, on le retrouve certainement dans une autre émission. On voilà, l'invitera. Voilà. Sur l'homme, il y a des news, voilà, les gars. Il y a les news aussi. Hein. Lisez les news. Eclipsia.com. Lisez les news. Okay, voilà. Donc cliquez, un max de clics. Et donc sur ce, bah, je vous fais le gros bisou. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Bye bye. Attendez, je regarde un peu le truc. C'est bon. Pub. Ah, salut. Barbra Streisand. Barbra Streisand.